Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Petit truc express pour identifier le centre. Ben, ouais, le centre de la planche, là. J'ai d'un bout à l'autre, je dois identifier mon centre. Le truc que je vais vous donner serait aussi vrai pour identifier le centre, comme ça. Bon. Ici au Québec, on est supposé de marcher en métrique. Mais, nos papas nous ont montré plus l'ancienne méthode. Donc, j'ai 20 et 13, 16. Ouais. Bon, en métrique, ça fait 52 cm, point 29. En fait, bon, on peut s'arranger avec le demi-centimètre, c'est quand même pas si pire. Je veux identifier mon centre complètement. Bon, on va calculer ça. 20 et 13, 16 divisé par 2. La calculatrice. Pas évident. Allez demander de l'aide, voir. 20 et 13, 16 divisé par 2. On sait que 13, 16 représente 26 32e. Donc, on pourrait aussi dire 10, à ce moment-là, la moitié, et 13, 32e. Bonne chance! Comprends toujours everybody cut. Ah, c'est everybody got. Ah, excusez. Bon, maintenant sérieusement. Oui, il y a la méthode de calculer. C'est sûr que diviser 20 en 2, ça donne 10. C'est quand même pas pire. Mais on peut essayer, on peut aussi sauver du temps. Approximativement. Vous voyez, j'ai mon 20, 13, 16 là. Je vais y aller au pif. On va marquer 10,5. 10,5. Je vais marquer le même 10,5 de l'autre côté. On peut voir les deux petites barres, ce que ça donne. Bon, avec les mesures que j'ai prises, je me suis quand même arrangé pour être presque au bon endroit. Ok. Si j'avais pris les petites mesures, ça aurait été un petit peu inutile. Je travaillais dans le beurre. Maintenant, avec mes deux marques, tout ce qui me suffit de faire, c'est d'aller marquer exactement entre les deux. Et là, j'ai mon centre exact. Je peux me le prouver. Je prends ma mesure. Voilà. Voilà. Je suis exactement au centre. C'est un petit truc express. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, c'est le petit bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page « Parlons bois » sur Facebook et, barre oblique, ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci!